s'est déjà trompé trois fois. Les places sont ralenties maintenant pour analyser ce but d'un peu plus près. Oh, le joueur qui est parfaitement sur ses appuis au moment de frapper le ballon, c'est parfait. Le gardien qui n'a rien pu faire. Je me demande s'il n'est pas masqué au départ du ballon. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé, hein, sous un autre angle.